Alright, bonjour tout le monde, ce beau lundi, on est le 1, 2, 3, le 3 mai, le 3 mai, wow, le temps passe vite, le temps passe vite. Bonjour Vivi, tu es la première, Jessica, tu es la deuxième, Victoria, Finomia, coucou, Yonara tout le monde, Thomas, j'ai oublié de t'envoyer le lien, mais t'as figuré. Yes. Alors, bienvenue, Thomas. Alors, tout le monde ici qui sont sur le live, dites la bienvenue à Thomas. Thomas a pris une décision, il nous a rejoint, il a rejoint les gladiateurs, il a dit, tu sais, moi, je suis bon là. Ouais, Thomas a rejoint les gladiateurs, OK? Alors, nouveau partenaire ici sur le live. Alors, dites bonjour à Thomas. Alors, Thomas vient de la Belgique. Futur ambassadeur. Wouh! Futur ambassadeur, les amis. OK? All right? On va mettre des choses en place. Marama, bonjour. Kelly, Déborah. Yes, Victoria, bonjour. So, dis-moi, comment était votre week-end? Comment était le week-end? Avez-vous un bon week-end? J'espère que oui. J'ai des fenêtres, j'ai plein de fenêtres ouvertes là. Je ferme ça ici. All right. Bonjour. OK, alors. Yes. Encore yes. j'aime voir vos noms comme ça ici là. J'aime voir les gens qui disent bonjour. À toutes les personnes bien élevées là. Bonjour, coucou. Hein? Yes. Good. Alors, j'espère que vous avez eu un bon week-end. Alors, le sujet de la journée. Comment devenir un leader? Comment qu'on devient un leader? C'est quoi ça, un leader? Hein? Comment on devient un leader? Dites-moi les amis, est-ce que vous savez c'est quoi, premièrement, c'est quoi un leader pour vous? OK? Alors, on va faire ça de reculons. Hein? OK? Là, j'ai mon ami ici, là. Ah! Oh, j'ai le leader de la jungle ici, OK? J'ai le leader de la jungle, OK? Alors, dis-moi, les amis, c'est quoi un leader? Premièrement, c'est quoi un leader? C'est quoi pour vous un leader? Donnez-moi un mot, pas une phrase ni un paragraphe. Donnez-moi un mot qui représente leader. Hé, hey, Bertrand, au top le week-end. Woo! Yes. Bonjour, Malek. Yeah, Témé. Hein? L'exemple. Ouh, ça, c'est un mot. L'exemple. Un leader donne l'exemple. OK? Je peux-tu te déposer 2 secondes, là, parce que c'est compliqué, là. Tu bouges, on dirait que tu vas tomber. Et là, les gens vont appeler le rescue animals. Ils vont dire, ah, il a blessé son lion. Je t'ai laissé tomber à terre. Je ne peux pas faire ça. Je vais te déposer tranquillement, OK? Reste ici, là, regarde, là, c'est bon. Ouais. OK? So, l'exemple. On va parler de ça rapidement. C'est quoi l'exemple? Donnez-moi des caractères de donner l'exemple. Donnez-moi les caractères de donner l'exemple. Un leader, OK, c'est montrer l'exemple. Alors, donnez-moi, OK? Ah, il y a plusieurs. Ah, vous êtes fort aujourd'hui, là. OK? Donnez-moi des caractères. C'est quoi donner l'exemple? Est-ce que donner l'exemple, c'est, bon, vous êtes dans une entreprise, une business, vous devez parrainer des gens. Est-ce que ça fait du sens pour vous que le leader parraine aussi des gens? Right? Hein? Jusqu'à dire recruter. Right? Tu peux pas être un leader et constamment dire, donner des mindsets, constamment dire, go la team! Allez parrainer, go, faites vos noms. Allez parrainer, coucou, right? Et là, vous, en tant que leader, vous êtes comme ça. Ah, allez, mes mignons, allez bosser. Ramenez du volume, ramenez des ventes, de l'argent, right? Un leader doit recruter. OK? Allez voir vos... Danny... Je vais vous mettre les problèmes, les amis, mais regarde, c'est un live. I gotta say it.
Alors, peu importe le marketing relationnel que vous faites, allez voir votre parrain. Dis, écoute, combien t'as parrainé, toi, les derniers 90 jours? Combien as-tu parrainé dans les derniers 90 jours? Tu es mon parrain. Ouais. Dans mon dos, là, ouais, j'ai des... Dans mon dos, là, tu m'as fouetté. Ouais. Dans mes fesses, tu m'as botté les fesses plusieurs fois. Hein, on voit des gens qui disent, j'ai botté les fesses de mes partenaires, là. J'ai donné un coup de gueule. Right? Mes oreilles me font mal. Tu as fait un coup de gueule. Toi, combien as-tu parrainé, toi? Combien as-tu parrainé, toi? Toi, là, tu as fait quoi? Right? Donnez l'exemple. Alors, si le leader ne donne pas l'exemple, est-ce que vous allez écouter votre leader? Ouais? Est-ce que vous allez écouter votre leader? Ça sert à quoi d'écouter votre leader si votre leader ne peut pas donner l'exemple? Et pourquoi vous allez l'appeler leader si le leader ne donne pas d'exemple? C'est pas un leader. On donne le mot leader trop souvent, trop facile. Ici, Laura dit meneur. Ouais? Celui qui dit bon, OK. On fait quoi, les amis? Silence. Il n'y a rien qui se passe. Il faut que quelqu'un dise, bon, ben, regarde. Moi, je vais faire ceci. Qui vient avec moi? Right? Être capable de motiver les partenaires à suivre. Right? OK. Lia dit, la réussite. C'est sûr. C'est un peu difficile d'être un leader sans réussir. Et quand on parle de réussite, OK, quand on parle de réussite, on parle pas à genre, il faut que tu deviennes un top leader, il faut que tu aies de l'argent, tu atteins les rangs. Non. Tout le monde commence à zéro. Mais à un moment donné, dans ton leadership, il faut que tu démontres que tu as quand même du succès, parce que sinon, yo, tout ce que tu me dis, c'est non applicable. Right? C'est non applicable. Taya, un dirigeant. OK? Quelqu'un qui est capable de dire à ces gens, OK, on fait ceci, let's go, et je vais vous montrer comment qu'on le fait. Ça, c'est un beau caractère aussi à avoir. Marama, donnez de l'aide. OK? Donnez de l'aide. Tu peux pas être un leader et quelqu'un te demande de l'aide, peut-être comme, j'ai pas le temps pour toi, moi je suis un leader, j'ai pas le temps pour toi. Quand on est leader, on doit donner fois 10 de l'aide. Fois 10. OK? On a donné encore plus d'aide qu'on aidait avant. Vrai ou faux? On a donné plus d'aide qu'on donnait avant quand on était un leader. Bon, Be Unique, Davidson. Lui était sur le Zoom de hier soir. Right? Lui était sur le Zoom de hier soir. Être individuel. Moi, il y a quelqu'un, je donne une prospection avec quelqu'un. Il me dit, ah, merci pour l'information, je te reviens. Ça me revient pour me dire quoi? Alors, au lieu d'attendre qu'elle me revienne, moi, j'ai dit, écoute, le marketing relationnel, hein, ça n'a rien à voir avec la société. C'est avec qui tu es, qui je suis. Tu viens avec moi ou non? La société qui est derrière, c'est des détails. C'est moi. Est-ce que tu vois ma vision? Est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Est-ce que moi, je suis le type de personne que tu vois, tu nous vois jouer au volleyball sur la plage? Tu nous vois assis dans l'avion, un à côté de l'autre? OK? Qui aimerait être dans l'avion avec moi? Dis-moi dans le live. Qui aimerait être assis dans un avion avec moi en direction de Maldives? Qui aimerait être dans le siège à côté de moi? Ben, OK, alors moi, j'ai l'allée. OK, vous avez le hublot où on switch, OK? Peu importe. Il n'y a personne au milieu. J'ai payé pour avoir un siège vide. J'aime pas ça qu'il y ait quelqu'un au milieu, OK? Alors, moi, je suis à gauche, toi, vous êtes à droite. On est assis et on est en direction du Maldives. Qui aimerait être dans l'avion avec moi? Qui aimerait être assis avec moi? Est-ce qu'il y a des gens ici sur ce live qui aimeraient être en direction pour les Maldives avec moi? Est-ce que vous pensez que l'avion, sur le vol, on va avoir du plaisir? Est-ce qu'on va rigoler?
Right? Est-ce qu'on va échanger, partager? Est-ce que vous pensez que lorsque vous allez arriver aux Maldives avec moi, qu'on va avoir du plaisir? Est-ce que vous pensez que vous allez arriver aux Maldives avec Danny Séguignol, vous allez faire... Bon, j'aurais pu rester à la maison avec du Netflix, là, t'es vraiment pas plaisant, hein? Est-ce que vous pensez que ça va être comme ça? Ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de l'énergie? Ça va être le fou délire. On va s'amuser comme des gosses. Les gens autour, qui vont nous regarder vont dire, mais c'est qui eux? Right? On va faire des trucs de ouf. Right? Vous allez avoir des preuves sociales de malades. Les gens vont dire, waouh, je vous ai vu, toi et Danny. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez peut-être qui serait intéressant, qui serait fun? Si c'est non, vous n'allez pas signer avec moi. Ah non, moi, je ne suis pas avec lui. Ah non, il parle trop vite. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne me vois pas avec lui. OK? Mais quand vous êtes unique and nobody got what you got, right? Personne n'a l'énergie, l'enthousiasme, votre sauce. OK? C'est ça qui vous rend différent des autres. On est tous différents. Il faut mettre ça en avant et ça détermine aussi le leadership. Ouais, ça détermine le leadership. Bertrand, il dit, c'est une personne que nous suivons avec plaisir en raison de ses compétences, son charisme, tout comme toi. Merci Bertrand. Et comme Bertrand aussi. Moi, j'adore écouter Bertrand parler. Moi, OK? Quand Bertrand parle, moi, je me dis, man, moi, je me sens déjà dans un événement avec Eric Worry GoPro. OK? Et là, on m'a appelé sur le stage. Danny fait du leadership. Là, on me demande, Danny, y a-tu quelqu'un que tu aimerais venir en avant pour parler à tout le monde? Bertrand, tu fais partie de la liste. All right? Moi, je dis, écoute, moi, je parle bien là, mais regarde, arrêtez de rire là. Maintenant, là, j'emmène la sauce là. OK? Manager. Ça, c'est un très bon mot, Nathalie. Manager. Right? Meneur consistant. Yes. All right? Exemple de réussite, dupliquer. Wouh! Quelqu'un qui peut vous aider à dupliquer. OK? Ah, je dis qu'elle est la même chose. Être disponible pour ses membres. Si t'es pas disponible, t'es pas un leader. Ouais? T'es pas un leader. Il passe à l'action, il fait des parrainages. Faire ce qu'on demande de faire aux autres. Yes. Connaissance. OK. Un leader que vous posez des questions et sa réponse est le emoji comme ça, là, c'est pas bon. OK? C'est pas bon. Vous connaissez l'emoji comme ça? C'est pas bon. Un leader doit avoir des connaissances. Il doit connaître le plan de compensation sur le bout des doigts. Doit répondre, doit savoir mieux que le support. Avant même que vous dites, j'ai une question pour le support, votre leader devrait dire, boum, voici la réponse. Tu peux aller voir le support, mais j'ai la réponse. Tu peux aller voir le support, mais j'ai la réponse. Tu peux aller voir le support, mais j'ai la réponse. Right? Ça, c'est important. Aider son équipe. Yes. Fait aussi ce qu'il dit à faire son équipe. Ah, regarde. Ce matin, 30 minutes passées, j'ai monté à des partenaires. OK? OK? Yo, j'ai déjà mes deux directs pour le mois de mai. Right? J'ai déjà mes deux directs pour le mois de mai. Pourquoi? Parce qu'en tant que leader, minimum, OK? Il n'y a pas un mois depuis que je suis chez Travarium que j'ai pas deux directs par mois. Ça n'existe pas dans mon portfolio. Il y a des mois, j'ai 10, 15, 20, 30 et plus. Mais le minimum, OK, en mode, en mode zombie, en mode shit, il me reste 48 heures. Shit, il me reste 24 heures. Il faut que j'aille deux partenaires. Coûte que coûte. Pas choix. Ça passe ou ça casse. OK? Si j'ai pas mes deux partenaires par mois, je cancelle mon compte. Inquiétez-vous pas, ça va jamais arriver. Impossible. Parce que moi, dans mon mindset comme leader, OK, j'espère que les partenaires bossent et vont chercher au moins un par mois. Au moins un par mois. Minimum, un par mois. Moi, je me dis, tout le monde cherche un. Dis-moi, est-ce que c'est raisonnable de penser que dans 30 jours, si vous mettez les actions nécessaires, pas faire des affiches, pas faire des stories, pas,
pas vous amuser dans le parc, pas placoter, pas faire des... Yo, yo, est-ce que c'est raisonnable dans 30 mois faire une vente? Oui ou non? Est-ce que c'est raisonnable dans un mois faire une vente? Right? Est-ce que c'est raisonnable? Si votre vie dépendait d'une vente, vrai ou faux, est-ce que vous allez faire une vente? Vrai ou faux? Si demain matin, on vous dit, vous perdez votre maison si vous ne signez pas un nouveau partenaire, est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Si on vous dit, on reprend votre véhicule, OK? Monsieur Towing s'en vient, votre Mercedes, votre Range Rover, peu importe, va être attaché au Towing, remorquage, et on prend votre véhicule. Mais vous avez la chance. Vous parrainez une personne, on prend pas votre véhicule. Au contraire, on vous donne un deuxième. Est-ce que vous allez trouver un? OK? Si votre feu derrière est pas assez chaud, c'est la raison pourquoi vous n'avez pas parrainé un dans un mois. Il faut que ça soit chaud. Chaud brûlant. OK? Et si c'est chaud brûlant, vos conversations sur votre téléphone vont être comme ceci. Écoute, tu sais ou tu signes pas? Tu signes ou tu signes pas? Il faut que tu me réponds maintenant. Parce qu'il me reste 8 heures dans mon 24 heures à signer quelqu'un. Et toutes vos conversations vont être la même chose. Tu signes ou tu signes pas? OK? Le remorquage est dehors. Merde, ils vont prendre ma Audi. Tu signes ou tu signes pas? Mais vu que la vie de tous les jours, en ce moment, vous n'avez pas le feu au cul. Vous ne l'avez pas? Votre loyer est payé, la nourriture sur la table. Il y a des gens qui mangent de la pizza en ce moment. Il y a des gens qui ont mangé de la pizza, ça fait une heure. Il y a des gens qui sont en ce moment dans leur automobile en écoutant le live, sont en train de passer au drive-thru, okay, au McDonald's et commandent un McFlurry en ce moment. Il y a des gens que je connais qui commandent un McFlurry en ce moment. Leur stress, c'est pas de parrainer quelqu'un en ce moment. OK? Alors, vu qu'il n'y a pas le feu, un par mois, mais ça arrivera quand ça arrivera. Tu vois? Moi, je me suis dit, en tant que leader, si je peux parler, non, c'est minimum deux. Je dois faire plus que un, je dois faire deux. Et il y a une autre raison que je dois faire deux. Parce que moi, j'ai un show dans les fesses. Est-ce que vous connaissez notre plan de compensation? Dites-moi à tous les top leaders qui sont sur le live. Dites-moi pourquoi je dois parrainer minimum deux à tous les mois. Quel est le feu que j'ai dans le derrière? OK? Quel est le feu que moi j'ai dans mon derrière qu'il faut que je trouve mes deux minimums à tous les mois? Je vais aller en bas ici. Est-ce que quelqu'un va me dire pourquoi je dois avoir les deux? Boom! Boom! Étienne dit, yo, Danny ne veut pas payer sa Mercedes. OK? Danny ne veut pas payer pour sa Mercedes. OK? Danny ne veut pas payer pour sa Mercedes. La Merco, yes! J'ai pas le choix, mec. Right? J'ai pas le choix. J'en connais qui le font pas. J'en connais qui disent, c'est pas grave, je fais de l'argent, je vais payer mon auto. Moi, écoute, tu me dis qu'il y a 600 balles, 600 balles de disponibles à tous les mois pour ma Merco et que moi, je vais faire comme ça? J'ai fait 3000 ce mois-ci, 3000 moins ma Merco, c'est pas grave. Non! OK? Ma mère m'a mieux élevé que ça. Ma mère m'a mieux élevé que ça. Alors, comment je peux pas avoir minimum mes deux pour ma Merco? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Et ça fait partie des tâches, OK? Des choses à cocher. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Un leader, c'est quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il veut que les autres font. Alors, si moi, ma Merco est payée à tous les mois, ça veut dire que j'ai minimum mes deux. Alors, si je parle à mes partenaires, je vous dis, hey, allez chercher au moins un. Il n'y a aucun de mes partenaires qui vont me dire, ouais, mais toi, Danny, tu fais quoi, toi? Tu veux voir? Moi, j'ai mes deux, hein? Moi, j'ai mes deux. Ça passe, ça casse. J'ai pas le choix, là. OK? La facture passe. Ici, au Canada, le paiement d'auto, c'est aux deux semaines. OK? Le paiement d'auto sur deux semaines. J'ai pas le choix, là. il faut avoir les sous. Yes, Nat! C'est ça, ça motive. Alors, trouvez votre motivation. OK? Vous avez le choix. Soit il y a la voiture à payer. Quelle serait une bonne motivation
pour vous pour devenir leader? Qu'est-ce qui vous ferait devenir leader pour vous? Quelle est votre motivation? Quel est le feu que vous avez derrière? Dites-moi ici, quel est le feu que vous avez derrière de ne pas trouver 2 par mois? Quel est le feu? Dis-moi votre feu. Right? Dis-moi votre feu. Yeah, toi aussi, t'aimes bien. Il est calme, hein? Il balance des grosses phrases, là, mais en tout. Très calme quand il fait. Right? Bon. Right? Alors, dis-moi, quel est votre feu? Alors, moi, je vais vous dire votre feu. Moi, je vais vous dire c'est quoi votre feu. Ça commence avec un M. Je vais vous dire c'est quoi votre feu. OK? Votre mensualité. Il n'y a pas personne ici qui veut payer une mensualité. Il n'y a pas personne ici qui veut payer une mensualité. La mensualité dans le marketing relationnel, c'est un cancer. OK? Ça fait mal. Ça fait mal. Payer sa mensualité fait mal. Je pense que c'est la chose qui nous fait plus mal au ventre, qui nous donne envie de vomir. Right? Vrai ou faux, les amis? Lorsque vous voyez, vous connaissez votre date. Alors, ici sur le chat, sur le live, dites-moi votre date de mensualité. Hein? Dites-moi, c'est quand la mensualité passe. Écrivez le chiffre. Est-ce que c'est le 4 mai, le 5 mai, le 6 mai, le 7 mai, le 8 mai, le 9 mai, le 10? Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 22, le 28, le 29. Quelle est votre date de mensualité? By the way, Thomas, toi, c'est le 3. Hey, Thomas, toi, c'est le 3. Hey, toi, c'est le 3 de chaque mois, c'est la mensualité. OK? Dites-moi, les amis, quelle est votre date de mensualité? Quelle est votre date où ça fait... ouch! Out! Out! Right? C'est quand ça fait mal. Dis-moi, c'est quand ça fait mal. Dis-moi, c'est quand ça fait mal. OK? On a le 19, ça va faire mal. Wouh! Le 7, dans 4 jours. Ça brûle les fesses, c'est dans 4 jours, hein? Le 28, ça vient de brûler. Ça vient de brûler. Jusqu'à elle, c'est le 16. Wouh! Yo! Il te reste 13 jours. Marissa, c'est le 6. Aïe, aïe, aïe. Dans 3 jours, ça passe. Willa, c'est le 8. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Right? Dépêche-toi. Right? Le 21. Le 17. Right? Ça fait mal, les amis. Quand la mensualité rentre, là, c'est comme... Ça fait mal. On voit passer sur la carte de crédit, là. Ouch! Et à chaque fois que la mensualité passe sur la carte de crédit, en anglais, on dit, c'est un reminder. Right? C'est un reminder. Votre carte de crédit te dit, imbécile, t'es whack. Hey, Danny, t'es agressif, là, aujourd'hui. On est lundi. Mais c'est quoi, tu... Pensez à votre mère ou à votre père qui prend la... Qui prend la ceinture, là. Viens ici, toi. Viens ici. J'ai vu ma carte de crédit, mais tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Ah non. Ah non. Attends, j'ai-tu? Non, je n'ai pas ici. Demain, j'amène ma ceinture. Hey, ah non. Viens ici que je te parle. C'est quoi ça sur ma carte? C'est quoi ça, ce 69,95 Travorium? C'est quoi cette merde? Le mois passé, je t'ai demandé c'était quoi? Tu m'as dit, ah, t'inquiète, je m'en occupe, hein, t'inquiète. Regarde, il me faut juste il me faut juste 3 personnes et c'est fini, hein? Hé, hey, papa. Papa. Maman, t'inquiète, regarde, je ne suis pas si fainéant que ça, là. Je vais trouver 3 personnes,
sur 7 millions. T'inquiète. J'ai accès à Facebook comme Danny. J'ai accès à Facebook comme Bertrand. J'ai accès à Facebook comme Mena. Hey, I got this là. Fais-moi confiance. Viens, viens, viens. Montre-moi tes fesses. Montre-moi tes fesses. Montre-moi tes fesses. Maman, maman, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est de l'abus. Je suis ton enfant. T'es majeur, non? T'es majeur? Appelle la police, voir. Appelle la police. Regarde si tu peux dormir chez moi après. Appelle la police. Si vous n'êtes pas dans une situation où ce que vos parents ont pas la ceinture dans leurs mains, ils sont pas en train de vous dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi le travail rium là sur ma carte? C'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud. Faut que ce soit chaud. Vous avez juste 3 personnes à les trouver. Juste 3. Juste 3. That's it. Pour enlever ce stress. Pour enlever ce stress. Pour enlever cette... Regarde, c'est un gros mot là. On va pas dire le mot complet, OK? Ça commence avec un H. Ça commence avec un H personnel. Vous avez un reminder. Tu fous quoi? Tu t'es lancé dans la société. Tu as dit, je vais tout déchirer. Mais c'est quoi tu déchires au fait? Tu déchires quoi? Tout ce que tu déchires, c'est le bill de la carte de crédit à tous les mois parce que tu pars voir. Yo! Right? Ça, c'est ça. J'ai même pas pensé à ça. J'ai même pas pensé à ça, Nathalie. Mais c'était plutôt celui-là. On va l'écrire d'une façon plus polie, OK? Moi, c'est ce mot-là que je parlais, OK? Mais ça peut être le tien aussi. Ça peut être le tien aussi, OK? C'est personnel, hein? C'est pas pour moi. C'est pas pour vos uplines. C'est pas pour vos sidelines. C'est pas pour vos downlines. C'est pour vous. Pour éviter d'avoir cette honte. La carte de crédit te répète. Tchitching! Il prend son argent. Vous venez de payer encore une fois travaillant. Tchitching! On est le 8 mai. Merci, vous venez de payer encore une fois travaillant. Tchitching! Nous sommes le 8 juin. Wouh! Merci encore d'avoir payé travaillant. Tchitching! Nous sommes le 8 juillet. Non, mais ça vous saoule pas, vous? Hein? Tout le monde, les amis, en tant que futur leader ici, là, ça vous donne pas mal à la tête? De voir le montant passer sur votre carte de crédit au lieu de passer dans votre e-wallet automatiquement parce que vous êtes autofinancé. Ça fait pas encore assez mal? Hein? Ça fait pas encore assez mal? Est-ce que votre compte de banque est tellement rempli? Est-ce que votre carte de crédit a tellement de lousse dessus que c'est correct? Right? Est-ce que c'est ça? Parce que devenir un leader, c'est de faire des choses, OK? De se mettre en avant, d'être différent, d'être unique, de passer à l'action. Right? De passer à l'action. Et c'est juste ça, la duplication. La duplication, c'est pas, oh, Danny, peux-tu me montrer à être ambassadeur? Oui. Quelle est ma première étape? Signe 1. Quelle est ma deuxième étape? Signe 2. OK, Danny, je veux du leadership, s'il vous plaît. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'on fait à la troisième étape? Oui, signe 3. Non, mais je pense que Danny, il se fout de ma gueule, là. Moi, je comprends pas, là, ce qu'il dit. Je demande. Non, je vais lui redemander, chérie. Je demande. Danny, plusieurs te considèrent comme leader. Et je m'attendais un petit peu plus. Regarde, je veux pas que tu me bloques. Une question pour toi, Danny. Pour devenir ambassadeur, parce que tu vois, je te parle parce que tu es ambassadeur et j'aimerais aussi faire ce revenu. Alors, je te redemande pour la quatrième fois, OK, qu'est-ce que je dois faire pour devenir ambassadeur? Combien as-tu parrainé en ce moment? Zéro. J'ai pas encore parrainé. Mais je veux savoir comment devenir ambassadeur, Danny, OK? Ambassadeur, dis-moi comment. Ah!
On retourne dans le film. Combien t'as parrainé encore? J'ai pas parrainé encore, Danny. Étape numéro 1, signe 1. Non, mais Danny, tu comprends pas là. Oh my God, je vais être ambassadeur. Tu me saoules avec ton signe 1, on s'en fout. On s'en fout, je sais que je dois en signer. Donne-moi du mentorship là. Donne-moi quelque chose. Donne-moi de la sauce. Donne-moi le crack. Donne-moi le crack. Donne-moi le... Donne-moi le crack. Donne-moi le... Donne-moi le bon gin and juice là. Shit, that's some good chronic. Donne-moi le bon. Donne-moi. Garlic. Il manque un peu de garlic. Danny, donne-moi un peu le. Il manque du poivre. Danny, donne-moi le poivre. Donne-moi la sauce. Pour être un bon leader. Pour être ambassadeur, dis-moi, Danny, quelle est ma prochaine étape? Je pense pas parler français. Go sign one. Ah! Oh, shit! Étape 1, signe 1. Étape 2, signe 2. Étape 3, signe 3. Étape 4, signe 4. Retourne voir ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième et dis-leur de faire la même PUTINSSSSSXXXX. Même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's it! That's it! Parce que si tu signes 1, tu peux montrer à 1 comment signer 1. Si tu signes 2, tu montres à 2 comment signer 2. Si tu signes 3, tu montres à ton troisième. Et ainsi de suite. That's all it is. Que tu fasses Travarium, Globarium, Titanium, Platinum, Forexium, Sexium, Foodium, Palladium, Texasium, Usium, Canadium, Tahitium, Caladenium, Wallisium, Futunanium, Francium, Morelalium, Otanium, Gatinium, Vaginium. Shit! Peu importe. Lamborghinium. Peu importe la société que tu fais. Peu importe le produit, le shake, whatever que tu fais. Dans toutes les marketing relations, dans toutes les sociétés. Ah, toi, t'aimes sauter, hein? Tu es un sautarium. Tu sautes de MLM en MLM. Et après ça, tu craches. Moi, je saute. Moi, je saute. Moi, je saute. Moi, je saute. À chaque fois que tu sautes de compagnie, tu craches la dernière compagnie. C'est pas bon, sont pas bons, sont ci, sont ça. Right? Tu te promènes avec la croix de Jésus. Ah, c'était le diable. C'était le diable là-bas. Le diable. C'était le diable. Cette société-là, c'était les démons. OK, Lucifer est dans cette société-là. J'ai dû sauter et venir dans une autre. Yo, c'est quoi qu'ils t'ont demandé de faire là-bas? Oh, c'était compliqué là-bas. Oh my God. Danny, tu comprends pas? Oh, wow, le bordel. Il fallait que je signe 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, et ça finissait pas. Fallait tout le temps que j'en signe. Fallait tout le temps que j'en signe. Yo, là-bas, là, au bord de la rue, là, faut que tu signes aussi, hein? Right? Faut que tu signes aussi, hein? Faut que tu signes aussi, hein? Faut que tu signes aussi. Là-bas, il faut que tu signes aussi. Right? Là-bas, il faut que tu signes aussi. Il faut que tu signes aussi. T'as pas le choix. Right? T'as pas le choix. Là-bas, faut que tu signes aussi. Chez nous, faut que tu signes aussi.
peu importe où tu vas aller, right, va falloir que tu signes. Right? Va falloir que tu signes. Peu importe où tu vas, va falloir que tu signes 1, 2, 3, 4. Right? Peu importe. Peu importe. Donc, les amis, conclusion aujourd'hui. Devenir un leader, ça prend quoi? Right? Ça prend quoi? Ça prend quoi, les amis? Pour devenir un leader, ça prend quoi? Qu'est-ce que ça prend pour devenir un leader? Yes! Ça prend du temps. Yes! Écoutez, les amis, leadership prend du temps. Persévérance, il faut travailler. Il n'y a rien de magique. Tu mets du temps, invest yourself. Invest yourself. Time, 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 time. OK? Time. Time. Investir son temps. OK? Je vais donner la phrase magique. OK? La phrase magique. OK? Pour être un leader. Yo, c'est pas compliqué, hein? Yo. Pour être leader, il faut devenir leader. Pour être leader, il faut devenir leader. Get that? Pour être leader, il faut devenir leader. Dites-le à haute voix. OK? Réécrivez. Écrivez cette phrase-là ici dans le chat. Pour être leader, il faut devenir leader. Et après ça, je vous explique. Et après ça, on y va. Écrivez cette phrase-là. Pour être leader, il faut devenir leader. Écrivez-moi la phrase dans le chat. Pour être leader, il faut devenir leader. Écrivez-moi cette phrase-là ici. Pour être leader, il faut devenir leader. Et là, on va faire une petite chanson avec ça. Pour être leader, il faut devenir leader. Rejoignez les gladiateurs. Pour être leader, il faut être leader. Rejoignez les gladiateurs. Pour être leader, faut être... Right? OK. La raison pourquoi je dis ça, les amis. OK? Yes. 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 La raison pourquoi je dis ça, les amis. Pour être leader, faut être leader. OK? Regardez. Si vous manque quelque chose, si vous avez une inspiration, si vous dans votre tête vous dites « Oh my God, j'aimerais ça être leader. » Un leader représente quoi pour toi? Deviens cette personne. Si vous cherchez un leader, posez-vous la question « C'est quoi j'aimerais voir comme leader? » Et deviens cette personne. Lorsque tu deviens cette personne, tu es un leader et tu réponds toi-même à ta question, right? Moi, je me suis dit, un leader, ça fait X, Y, Z. Voici qu'est-ce qu'un leader représente pour moi. Alors, je suis devenu ce leader. Y'all get that? Y'all get that? Vous comprenez? Moi, je me suis dit, j'aimerais ça avoir un leader. C'est quoi pour moi un leader? Lui, il n'est pas un leader parce qu'il est en haut de moi. Non. Elle n'est pas un leader parce qu'elle est en haut de moi. Non. Lui, il n'est pas un leader parce qu'il fait plus d'argent que moi. Non. Elle n'est pas leader parce qu'elle a plus de followers que moi. Non. Moi, Danny Seguina, je me dis, je veux suivre un leader. C'est quoi un leader pour moi? Voici les critères. Mais tu sais quoi? Je vais être patient. Je vais aider mes partenaires. Je vais faire la duplication. Je vais faire qu'est-ce que je leur dis de faire. Je vais l'aider. Je vais mettre les choses en place. Je vais être présent. Shit! Si moi, je fais tout ça, pour être leader, faut devenir leader. Si moi, je fais qu'est-ce que j'aimerais voir, indirectement, je suis quoi? Right? Si pour moi, un leader, ça représente X, et moi, je fais X, what am I? A leader.
Je suis leader. Et je ne suis pas obligé d'être leader de tout le monde. Je devrais juste être minimum leader pour moi-même et leader pour les gens qui veulent me suivre. C'est pas tout le monde qui veut suivre Martin Luther King. I have a dream. Right? C'est pas tout le monde qui veut suivre les leaders qu'on connaît. On suit les leaders que nous, on aimerait être. Et il n'y a aucune jalousie là-dedans. Il n'y a aucune jalousie là-dedans. Il n'y a aucun... Ah, ben, toi, t'aimes ce leader-là? Non. Il n'y a pas de leader ultime. On choisit les leaders qui nous inspirent, nous, à devenir meilleurs que nous, on veut être et à devenir quelque chose de similaire à le leader que vous suivez. On est tous des leaders. OK? On est tous des leaders. Mais on ne va pas tous aimer les mêmes leaders. Il y a des leaders qu'on m'envoie des noms. Danny, tu connais ce leader? Ouais, je connais. Et tu l'aimes? Non. Pourquoi? Lui ne représente pas qu'est-ce qu'un leadership pour moi. Right? Tu montes un leader en Porsche? J'aime pas les Porsche. Déjà là, il est cuit. Il est cuit. Right? Il est cuit. Right? Tu montres un leader qui ne représente pas mes valeurs, c'est pas un leader pour moi. C'est un leader pour toi, mais c'est pas un leader pour moi. Tu présentes un leader qui ne fait pas la duplication, qui n'est pas là pour ses partenaires, c'est ton leader, c'est pas mon leader. Tu me présentes quelqu'un qui ne fait pas le travail qu'il demande que les autres fassent, pour moi, c'est pas un leader, pour toi, c'est un leader. Tu me dis que lui, c'est un leader, mais lui, il n'est jamais présent, c'est pas un leader. Tu me dis que lui, c'est un leader, puis il ne met pas de plan de match, c'est pas un leader. C'est ton leader, c'est pas mon leader. C'est ton leader. C'est pas mon leader. Parce que moi, mon leader, right? Moi, mon leader, c'est quoi? C'est quoi? Pour être un leader, il faut devenir un leader. Alors, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui fait qu'est-ce que moi, je fais, je mets en place pour devenir un leader. Shit, that was powerful. Regarde, moi, je prends ce live, je vais l'enregistrer, OK? Je vais le mettre dans mon archive de formation que je vais vendre à 10 000 balles. Vous l'avez eu gratuit aujourd'hui. Mais ça, c'est quelque chose que je peux prendre, puis je peux mettre une vidéo en avant, une vidéo en arrière. Je vais dire, hey, pour seulement 999 $, vous avez la chance d'écouter le live le plus puissant sur le leadership par Danny Séguignon du Canada. All right? Non, mais je blague. Écoute, les amis, c'est un live important, OK? Pour être un leader, faut être un leader, OK? Ne suivez pas n'importe quel bélier, OK? Ça donne rien. Vous perdez dans le champ. Ne suivez pas n'importe quel bélier. Vous allez vous retrouver dans un champ, puis il y a des loups, il va falloir vous manger tout rond. OK? Suivez le bélier, suivez le berger qui a le plus de moutons, OK, avec lui, genre. OK? Yo, eux, ils sont, eux, moins, ils ont été épargnés des loups. Ah, shit! Right? Je vous donne une image, là, parce qu'on parle souvent de ça, mais je plaisante, OK? Suivez, OK, ou allez vers la direction que vous sentez plus sécure. C'est ça le message. Allez où c'est plus safe. Allez où vous voyez les caractéristiques de leadership qui sont importantes pour vous. That's it. Si les autres ne voient pas, c'est correct. C'est correct. Eux ont d'autres types de valeurs. OK? C'est correct. All right? C'est correct. So, that's it, that's all. En moins de 45 minutes. Boom! Je vous vois demain soir, un autre sujet très hot. Encore une fois, cliquez sur votre emoji préféré. Pas celui-là. Celui-là est bon. Celui-là est bon. OK? Ça, c'est mon préféré. Ouais. Cliquez votre emoji préféré. Cliquez sur le bouton partage. Et dites, wow! Écoute, 45 minutes, un live sur le leadership. Tu as aimé. Tu as aimé. OK? Il a même mis son lion là. OK, il a sécurisé, il l'a mis sur le côté. Le lion n'a même pas tombé sur le live, OK? Le lion n'a même pas tombé. So, j'apprécie. All right, IBNT, live show, on se voit demain. Boom, boss mode.